C'est crémeux. Ouais, les petits points sont là. Ouais, c'est bon. Innovant, peut-être. Original, très certainement. Voici la crème de Maugette au piment d'Espelette. Une invention signée Sylvie Favorel. La gérante du jardin des confitures a souhaité travailler un produit 100% vendéen en proposant une autre manière de le consommer. Je me suis dit que peut-être qu'on arriverait à trouver une façon de cuire la Maugette et de la transformer pour qu'elle puisse être tartinable. Façon guacamole, la crème de Maugette se consomme froide, à l'apéritif, et sa préparation, bien qu'assez longue, reste assez simple. Mais pour le moment, la recette type n'est pas encore définitivement arrêtée. Comme pour toute invention, il y a d'abord des tests. On a fait une recette simple, juste cuire les Maugettes dans de l'eau. Et là, on a fait une autre procédure avec le vinaigre de cidre, du vin blanc. Et maintenant, il faut encore affiner. Et d'ici lundi, Sylvie et son compagnon Pierre auront sans doute trouvé le bon dosage, car leur crème de Maugette sera en compétition lors du 13e concours des produits de Vendée, catégorie produits innovants, une première pour le jardin des confitures. C'est toujours important de se faire reconnaître par ses pairs ou par des personnes qui s'y connaissent. Au niveau des jurés, il y a quand même des cuisiniers, des professionnels de la gastronomie. Et si ça plaît, c'est que ça veut dire quelque chose quand même. Et si le produit plaît, ce serait un beau lancement commercial, puisque la crème de Maugette n'est pas encore en vente. Elle le sera après le concours et étoffera alors la gamme des quelques 60 produits du jardin des confitures.